Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc je vous prends le soir, on est le 28 décembre, il est pas loin de 18h. Donc là je vais chez une copine, on va faire une raclette, ça va être trop bien. Non, je vous ai pas pris les derniers jours parce que très très pris par les fêtes. Donc Noël s'est bien passé, tout le monde était content, ça s'est bien passé. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais j'espère que c'est passé de très bonnes fêtes. En tout cas, moi je suis toujours à Rouen en famille. Je profite d'être là pour voir des potes, pour vraiment profiter des moments en famille, puisque on passe souvent à Rouen en fait. Je profite un max. Et donc là en fait, je vais juste vous montrer un peu ce que je fais quand je suis à Rouen. Je pense pas que je vais filmer tous les jours non plus parce que j'ai pas forcément des trucs intéressants à faire tous les jours. Mais vous montrer un peu ce qui est essentiel pendant les prochains jours. Ce temps là je vais chez ma pote. Et voilà, donc je vous prends plus tard. Aujourd'hui, on va manger au restaurant Papy Grill. C'est un restaurant qui est à Rouen, voilà, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on va tester. Et puis, n'hésitez pas à venir. Papy Grill, qui est situé à 43 rue Beauvoisine, à Rouen. Je suis avec ma pote Tiffany, donc j'étais partie lui rendre visite et tout. Là, elle me raccompagne chez moi parce que du coup, demain, je rentre. Mais ça m'a grave fait plaisir en tout cas d'être à Rouen, de voir mes potes et tout, ma famille et tout. Le travail reprend vendredi. C'est passé trop vite les 2 semaines. 5 jours. Je peux poser une question? Ouais, vas-y, vas-y. Au niveau de ton régime, comment c'est passé par en fait? Arrête. J'aime pas parler de choses comme ça. C'est vrai? Ouais, j'aime pas. C'est pas mon style. Question sensible, j'ai beaucoup mangé, beaucoup trop mangé. Je pense que là dès que je rentre, il faudrait faire une détox. Mm-hmm. Parce que tous les trucs gras qu'on bouffe, nous les Congolais, là, laissez tomber. Tu peux aller à la salle du coup, à Rachel? Ah bah non. Oh, okay. Il faut que je retourne à la salle, j'ai pas le choix. Il faut que je retourne à la salle, donc dès que je rentre à la maison, il faut que je reprenne le sport, bonne alimentation et tout. Parce que j'ai pas réussi à atteindre mes goals, en termes de body goal et tout, là, pour 2022-2023. Donc 2024, il faut vraiment que je perde du poids. Donc voilà, je vais essayer de vous vlogger ça. Mais voilà, voilà. Je vous prends tout à l'heure ou demain, je sais pas. On verra. J'espère que vous allez bien. Bref, pour reprendre, je suis enfin rentrée chez moi. Je suis rentrée plutôt prévue parce que j'ai des choses à faire avant de reprendre le travail. Donc du coup, là, je sors, je vais à Nancy. Je vais vous montrer rapidement mon outfit et puis je vais essayer de vous emmener avec moi en fait. Ensuite, je porte une chemise qui vient de chez Zara, un pantalon en simili que j'ai acheté chez Kiabi. Ça, c'est mes spéciales que j'avais acheté du coup quand j'étais à Rouen. J'ai ce gros manteau là que j'ai eu à Primark, franchement, je l'aime trop. Et le sac à main que j'ai eu à Noël, c'est un sac à main de chez Zara. Voilà, voilà pour l'outfit. Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça change. Surtout le manteau, il apporte vraiment quelque chose d'original à la tenue. J'aime beaucoup. Donc, voilà, voilà. Ton sourire m'illumine tous les jours. Et tu sais que t'es dans mon cœur. Et tu sais que ma vie sans toi n'a plus sa valeur. Tu sais comment. Tu sais comment. Voilà, j'ai fini de me coiffer. Très satisfaite. J'aime beaucoup. Merci. Les gars, j'ai fini de me faire coiffer. Je suis trop contente, franchement. C'était la première fois que j'allais chez cette coiffeuse-là. Elle a grave géré. Voilà, donc je me suis fait du coup des locks butterfly. Et je suis trop contente, j'aime trop le résultat. Surtout que j'ai des cheveux un peu compliqués et elle a réussi à gérer et tout. Elle était super douce. Donc franchement, je suis grave contente. Je vais essayer de les garder un max parce que je vais vraiment les garder les plus longtemps possible. Et donc là, le plan du coup, c'est que je vais reprendre la route
Je vais aller à KFC parce que j'ai faim, j'ai pas mangé depuis ce matin. Et ensuite, je vais aller mettre de l'essence. Et je rentre à la maison, je vais me reposer, je vais travailler. Et puis, je pense que je vous reprendrai demain sûrement, je pense. Donc voilà, à plus. Il est 8h30, donc je vais me dépêcher d'aller à l'église. Et donc je vais monter ma tenue rapidement et puis je vais y aller. Je porte du coup une robe blanche comme ça que j'ai acheté chez Chine. J'ai fait quelques coutures parce que la fente était vraiment beaucoup trop ouverte à mon goût. Des collants et des bottes de chez Chaussea. Et puis ça sera tout en termes d'accessoires. J'ai des boucles d'oreilles dorées, j'ai un collier doré, un bracelet doré, mon Apple Watch comme d'habitude. Et je vais porter tout ça avec mon manteau. Avec le manteau et le sac à main. Donc voilà. Je viens d'arriver chez moi. Sur ce, je vais vous laisser sur ce vlog là. Je pense que c'était la conclusion de mon vlog masse. Enfin, à la base, ça avait commencé par un vlog masse. Et du coup, ça termine par un vlog. Mais voilà. Et je vous souhaite aussi, parce que j'ai pas pris le temps de vous le souhaiter, une bonne année 2024. Que des bonnes choses. Prospérité, paix, réussite. Toutes ces bonnes choses, je vous les souhaite. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye.